trying to make this shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Yo tout le monde, c'est Zorix officiel, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part je pète la forme. Aujourd'hui les gars on va se retrouver sur GTA 5 pour vous présenter un tout nouveau glitch d'argent en imiter les potos. Donc ça sera un glitch en solo pour les pauvres les potos, pour les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de complexe. Et là les gars vous n'aurez pas besoin de complexe, juste un véhicule et une mission. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à rester connecté les potos, je compte sur vous l'équipe. Et c'est parti, donc vous allez faire start en ligne, jouer activité créée par Rockstar. Et vous allez devoir lancer la même mission que moi, comme vous pouvez voir à l'écran les potos. Et le temps que je rejoigne l'activité, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter, partager au maximum et de m'ajouter sur mon Twitter et mon Snapchat, tous les liens seront en description. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Don Trino et à la chaîne de Vodka Rose, je compte sur vous l'équipe, ça leur fera plaisir. Restez connectés sur la chaîne de Don Trino, il y a du lourd qui arrive, ainsi que sur la chaîne de Vodka Rose, cela vous allez pas être déçus les potos, donc c'est parti. Donc une fois que vous aurez lancé la mission les potos, vous devrez être en dernière position comme moi dans la vidéo les potos. Et donc ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir prendre votre véhicule. Donc moi pour ma part c'était la vigilante. Et donc comme vous pouvez voir j'ai mis un peu le gameplay en accéléré. Et tout simplement les gars vous allez devoir vous rendre dans le quartier des gangs. Donc c'est dans un petit quartier des gangs les potos. Et tout simplement en fait la mission en fait vous allez devoir récupérer un véhicule. Donc c'est la Dominator. Mais il ne faudra pas la livrer en gros pour le glitch. Ça sera des véhicules customisés que vous retrouverez comme ça. Donc à la fin la vente ne sera pas extrêmement chère. Mais si vous remplissez un garage avec, donc vous revendrez le véhicule 7000$, ce qui est pas mal. Et bah si vous, vous mettez un garage à la fin vous faites à peu près plus de 1 million, voire même 2 de garage, faites plus d'un million les potos, ce qui est vraiment rentable. Donc n'hésitez pas de le faire les potos, ça va vraiment vous rapporter masse. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de complexe et vous imaginons les potos, vous voudriez faire le braquage de Bogdan mais que vous ne pouvez pas vous l'acheter, bah grâce à mon glitch les potos vous pourrez vous l'acheter, parce que un complexe ça coûte dans les 1 million et franchement c'est faisable si vous faites vraiment ce que je vous dis. Et donc voilà les gars ce que je vais faire. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez pris le véhicule, il faudra vous rendre à peu près et prendre la même route que moi dans la vidéo. Et donc tout simplement ce que je vais faire maintenant, je vais m'arrêter. Et tout simplement en fait ce qui va se passer c'est que vous allez voir plein de véhicules, donc des gants qui vont vous poursuivre. Et en fait ça sera des véhicules customisés quand ils vont vous poursuivre les potos. Et tout simplement quand ils vont vous poursuivre, vous allez devoir vous arrêter. Donc moi dans la vidéo les potos je suis mort parce que voilà j'ai pas réussi à recharger vite mon arme les gars. Mais tout simplement les gars si vous mourrez, vous recommencez la mission, ça va pas. C'est pas grave, vous revenez, vous avez encore une chance si vous avez mis difficile ou pas. Et tout simplement, donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais tuer encore les ennemis. Et une fois que j'aurai tué les ennemis, les potos, je vais récupérer le véhicule vert et je vais le ramener dans mon garage. Et vraiment, les potos, faites-le avant que, vraiment, faites-le, les potos. C'est vraiment une astuce, pas vraiment un glitch, mais plus une astuce. Moi, pour moi, je dirais un glitch parce que quelque part, on peut faire un glitch, mais c'est plus une astuce. Il y en a qui diront astuce, moi, je dis plus glitch pour ma part parce que c'est plus rentable. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai tué les ennemis. Et là, vous pouvez voir, ça, c'est un véhicule customisé. Donc, comme vous pouvez voir, la couleur, elle a changé. Il y a quelques roues qui ont été customisées, tout ça. Donc là, tout simplement, je vais me retrouver à l'appartement. Donc, j'ai fait une petite coupure. Et donc là, on se retrouve à l'appartement les potos. Une fois qu'on est devant l'appartement, donc vous avez deux choix, deux solutions. Soit vous êtes comme moi, vous pouvez rentrer votre véhicule directement. Dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de faire le glitch. Ou soit vous avez l'autre méthode, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas rentrer votre véhicule et il faudra se positionner, prendre un lance-roquette et se suicider sur le rond bleu ici, parce qu'il y en a, ils n'arrivent pas à rentrer le véhicule directement. Ils disent que ce véhicule ne peut pas être rentré. Donc vous faites ce glitch et vous reviendrez ici et vous verrez que le véhicule n'aura pas de spawn. Si vous êtes dans ma situation à moi, et bah vous prenez votre véhicule, vous le rentrez dans votre garage. Moi, pour ma part, dans la vidéo, mon garage il était plein, donc je l'ai remplacé. Hein, c'était par une Elegy Retro Custom, j'en avais plusieurs, donc je l'ai remplacé par ça. J'en avais pas plus besoin parce que moi j'ai pas mal d'argent comme vous pouvez voir à l'écran. Et tout simplement je l'ai remplacé les potos. Et comme vous pouvez voir voilà, donc là je l'ai remplacé et comme vous pouvez voir je suis dans l'activité encore. Donc là ce qui va se passer, pour bien vous montrer que le véhicule je peux le garder, je vais sortir du garage et je vais quitter l'activité. Et je vais bien vous montrer que le véhicule, après avoir quitté l'activité, il est dans mon garage et que je peux bien l'avoir après mon, il s'est bien sauvegardé dans mon garage et que je vais pouvoir aller le revendre en imiter les potos. Donc faites attention, je vous mettrai peut-être dans la description une limite quotidienne. Donc c'est Romamort, il a présenté les gars, allez voir, il a bien expliqué. Moi pour ma part je préfère mettre sa chaîne parce que lui il a très très bien expliqué et je vois pas pourquoi on refera la vidéo alors que lui il a très bien expliqué. Je vous mets sa vidéo et allez checker sa chaîne, il fait du bon contenu. N'hésitez pas à vous abonner en même temps à la chaîne de Nicer officiel de l'équipe, voilà, ça me fera plaisir, ainsi que lui de même. Et puis voilà,
Donc là, ce que j'ai fait, donc là, j'ai quitté l'activité, je suis retourné dans mon garage et je vais prendre mon véhicule et je vais me retrouver au LS Custom et je vais bien vous montrer que je peux aller le revendre. Donc les potos, n'hésitez pas de le réaliser en limité, de vous remplir un garage de ce véhicule-là. Vous allez pouvoir faire, vous faites un véhicule ou deux véhicules par jour. Ne faites pas ça en illimité, les potos, voilà, pour risque de ban. Sinon, Rockstar, ils vont trouver ça bizarre que vous revendiez tous les véhicules d'un coup comme ça. Faites un ou deux véhicules par jour si vous avez, faites très attention, les potos, et pourrez vraiment vous faire masse d'argent pour les prochains DLC ou même les prochains véhicules, les prochaines semaines où il y a plein de véhicules qui arrivent les mardis. Et donc voilà les gars, donc là comme vous pouvez voir, je vais les revendre, je vais bien vous rendre 7000$. N'hésitez pas, on arrive à la fin de la vidéo, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, activer la cloche si ça n'est pas déjà fait. N'hésite pas à rester connecté, poto. Venez me suivre sur les réseaux sociaux, je compte sur vous, l'équipe. Vraiment, je poste des informations, on est 515 sur YouTube, Twitter. Si on pouvait vraiment venir me suivre, cela me ferait extrêmement plaisir. Restez connectés, tous les liens seront en description, je compte sur vous pour venir me suivre. Il y a des comptes lobby bientôt qui seront à gagner, donc venez me suivre sur mon Twitter et sur mon Snapchat. Tous les liens seront en description. Abonnez-vous à toutes les chaînes, notre réno ainsi que Vodka Rose, ainsi que la mienne. Moi, je vais vous laisser sur ces images. C'était Zorix officiel, profitez-en avant qu'il soit patché. Je vous laisse, allez, bon glitch à tous et bye, poto. Can anybody out there hear me?